Bonsoir à tous. Voilà, j'ai un message d'SOS et de Red Bull. Voilà, c'est vraiment un grand et un gros coup de gueule. Bon, je suis promoteur de spectacle moi-même. Je représente Jeff le Béninois. Et je voulais dire à tous les promoteurs de spectacle d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, mais en tout cas, tous ces gens qui disent promoteurs de spectacle et qui organisent leurs événements au Palais de la Culture, je voulais juste leur rappeler que une sécurité, c'est avant, pendant et après le concert. Avant, pendant et après le spectacle. On fait pas une sécurité avant, pendant et quand l'artiste dit oui, merci, à l'année prochaine, gendarme, je cherche policier, je cherche la sécurité, je suis désolé. Quand vous faites vos concerts là, maintenez et ayez la même mise sur la sécurité. Contrôlez votre sécurité parce que je pense que vous les payez pour ça. Donnez-leur de vraies et de bonnes consignes. Parce que quand vous ne faites pas ça, dehors, quand nos jeunes frères, nos jeunes soeurs sortent, ce qui se passe, c'est catastrophique. Ils se font agresser, surtout les filles. Elles se font agresser. Des jeunes filles qui viennent communier avec leur artiste, elles viennent communier avec leur artiste, s'amuser, rentrer avec la joie à la maison. Tu viens avec la joie, tu rentres avec du chagrin. Je suis désolé. Ça va changer aujourd'hui. Tout à l'heure, j'étais au palais de la culture, j'étais au concert de Kereba. Je suis allé soutenir. À ma sortie, je vois une jeune fille, qui se faisait agresser par huit jeunes, car huit jeunes microbes sur elle. Mais vous pensez que s'il y avait des policiers, qu'on appelle ça, devant le palais là, juste devant le palais, devant la CIU là, s'il y avait des policiers devant là, ça pourrait arriver? Non. Chacun s'est cherché parce que le concert est fini. Le concert n'est pas fini, la sécurité continue. Je suis désolé. Pour revenir à ce que je disais, ça me faisait tellement pitié que, chers amis, je ne pouvais pas ne pas me manifester, ne pas réagir. J'étais dans ma voiture, j'étais huit. Elle criait au secours, au secours. Personne ne venait, personne ne la regardait. Parce qu'on sait que dehors là, tout ce qui sont dehors là, il y a des petits, beaucoup de petits voyous dedans. Je suis sorti avec mon gros cœur. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Même si j'étais l'homme le plus faible du monde. Même si j'étais l'homme le plus faible du monde, je ne pouvais pas ne pas sortir de ma voiture pour aller aider la petite. Je ne pouvais pas. Parce que ça me faisait trop mal. À chaque fois qu'il y a un truc au palais de la culture, il y a agression devant. À chaque fois, il y a agression. À chaque fois, il y a agression. Il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, c'est la sécurité. Et la sécurité, là, ça dépend de qui? Ça dépend des promoteurs. Quand vous faites vos concerts, misez sur la sécurité. Je suis parti. Je suis sorti de ma voiture. J'ai pris ma bombe lacrymogène. J'ai pulvérisé, j'ai pompé. Et c'est ce qui a fait dégager les petits autour de la fille. Voilà. Je ne sais même pas encore comment ça s'est passé. Voici ce que mon action m'a coûté. Moi, j'ai reçu des coups derrière mon dos. On m'a volé ma chaîne en or. On m'a volé un appareil. Je suis parti de noir. On m'a volé un appareil. Et le côté droit de ma voiture, tout est là. C'est gratté là. Parce que moi, après, quand je partais, je suis monté de ma voiture rapidement pour quitter les lieux. Ils m'ont jeté des pierres, coups de pied, ils ont cabossé tout. Je ne regrette pas d'avoir fait mon. D'avoir. Qu'on appelle ça? Fait cette action-là. Je ne regrette pas vraiment. Mais, sérieusement, côté sécurité, il faut que ça change. Donc, les promoteurs de spectacle, comme vous négligez, on dirait, cet aspect-là, puisque ce n'est pas vos enfants qui vont là-bas, moi je dis, chers fans, chers petits frères, chères sœurs, prochainement, quand vous irez au palais de la culture, prochainement, quand vous irez, je dis bien au palais de la culture, si vous voulez partir communier danser avec un artiste, si vous voulez payer le ticket, n'achetez pas le ticket avant d'être sur le lieu. Vous allez acheter vos tickets directement au palais de la culture là-bas. Ce côté point de vente, tout ça, vous allez au palais de la culture. Prenez votre transport, c'est pas grave. Vous allez au palais de la culture. Vous essayez de vérifier vous-même, constater s'il y a une sécurité impressionnante. Je dis bien impressionnante. C'est-à-dire, vous arrivez au palais comme ça, là, il y a beaucoup de militaires, beaucoup de gendarmes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de corps habillés, quoi, une sécurité de fou. Beaucoup d'hommes armés. Voilà. Vous payez, vous enlevez, vous payez vos tickets. Si vous ne voyez rien de tout ça, si vous voyez 20 militaires ou quoi, 20 militaires comme ça, retournez-vous. Parce que moi, je pense que votre sécurité, votre vie, vos biens, ne va pas plus qu'un ticket de 5 ou 10 000. C'est le message que moi je voulais passer. Si on ne les éduque pas, ça va toujours rester comme ça. Donc, vous, les promoteurs des spectacles, ce n'est pas aussi parce que peut-être vous aurez amené un bon homme de gendarme, de militaire pour sécuriser votre événement,
que après le concert, vos éléments dégagent, hein, chacun se cherche, voilà. Avant, pendant et après le spectacle. C'est ça la pleine sécurité. Moi, c'est ce que j'ai le mot d'ordre. C'est pas que c'est le mot d'ordre, mais c'est le message que je vais vous faire passer. C'est nous-mêmes, on va changer ça. Si on ne change pas ça, ça va toujours continuer. Voilà, merci. C'était mon message. Voilà. Avant, pendant et après le message. Et après le spectacle. Si vous arrivez au concert, je vous parle, jeune frère, amoureux de la musique, amoureux des artistes, fan. Si vous allez à un concert, ne payez pas le ticket. Hein. Si on dit ticket en vente disponible, n'allez pas payer le ticket. Vous allez, si vous voulez payer votre ticket, là, allez au palais dans lequel tu payes. Mais avant, vérifiez qu'il y ait vraiment, je dis bien, une sécurité impressionnante. S'il n'y a pas ça là, allez à la maison. Voilà. Votre sécurité, votre vie là, c'est mieux que ça. Vous allez à la maison. Voilà. Parce que quand les gens vont vraiment miser sur la sécurité, parce que quand les promoteurs du spectacle organisent son événement, c'est pour quoi? C'est pour vous. C'est pour faire l'argent. L'argent là, c'est vous qui payez. Mais vous allez payer, vous êtes parti voir, et puis vous êtes parti vous faire agresser. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Donc, je dis et je répète, concert, palais de la culture, pas d'achat de tickets dans les points de vente. Achat de tickets seulement que au palais de la culture. Et quand vous voyez qu'il y a une sécurité impressionnante, ne jouez pas avec ça. Voilà. Parce que si on ne change pas ça maintenant, ça va continuer.